Panorama, c'est ainsi que Philippe Découfflet, le plus populaire des chorégraphes français, a intitulé son tout nouveau spectacle à la Villette, où il revisite 20 ans de création. Les moins jeunes l'ont découvert en 92 lors des cérémonies des Jeux Olympiques d'Albertville. Et les plus coquins parce qu'il a récemment dépoussiéré le show du Crazy Horse. Pour ce spectacle rétrospectif, la toute nouvelle troupe de 7 danseurs apprivoise un incontournable de Philippe Découfflet, la danse des palmes. Non. Faut pas que les mains tournent avec le corps, faut que... T'étais bonne jusqu'au demi-tour, mais au moment du demi-tour, vas-y, faut pas qu'il bouge le bras. Du coup, ça fait pivoter sur la jambe droite. Le demi-tour autour de ça, là, et après, il vient de en déhanchant à droite, puis un tout, et puis on va derrière. On essaie en musique, c'est assez speed. Saute, embrasse, là, clac, clac, clac. Et il y a un, deux, trois, quatre, cinq, ch'tac, ch'clac, ch'tac. Elle n'est pas très compliquée cette danse en réalité. Techniquement, elle n'est pas super difficile, mais bon, il faut beaucoup de conviction, il faut y aller. J'en ai déjà fait trois versions. Hein. Il y a eu codex, décodex, tricodex. Donc j'avais déjà fait trois fois. C'est la quatrième fois que je reprends les palmes. C'est comme une signature. À présent que le chorégraphe et son assistant Éric Martin se sont remémorés les mouvements de base et que les danseurs semblent les avoir intégrés, la troupe s'attaque à la mise en espace. Pour fixer la chorégraphie, ils visionnent Codex, spectacle monté en 87 dont ils vont s'inspirer. Mais la vieille captation en VHS ne facilite pas la tâche de nos danseurs. Je sais pas comment il fait. C'est une vieille vidéo. Et les danseurs sont habillés déjà de noir avec des rayures. Et en plus, ils sont éclairés par des films. Ce qui fait qu'on voit vraiment juste... Et on doit retrouver la chorégraphie. My God. Heureusement, il y a la mémoire du corps. Acte 1. Pour guider sa troupe, le maître entre en scène et tente d'expliquer ce qu'il a derrière la tête. Est-ce que vous savez ce que vous faites? Vous voulez pas venir voir à la télé? C'est plus simple, comme ça vous comprenez. Vous vous repérez et vous essayez de pas vous perdre. Parce que tout le monde se ressemble. Ça se ressemble. Oui, c'est ça, on s'y perd assez facilement. Donc vous avez repéré à peu près le début. Voyons voir comment ça se passe.